Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, cette vague de froid et de neige qui n'en finit pas. Des milliers d'automobilistes et de chauffeurs routiers sont restés bloqués des heures et parfois la nuit en Auvergne et autour de Lyon dans 40 cm de neige. Ce soir, c'est Paris qui est en vigilance orange. Autre conséquence, les TGV sont au ralenti. Un vol sur quatre est annulé à Roissy et la Bretagne est en alerte rouge car le réseau électrique est saturé. On fera un point complet avec nos envoyés spéciaux un peu partout en France. Et avec Laurent Romeshko pour savoir quand s'achèvera ce coup de froid. Va-t-on vers la fin du médecin de famille? Le métier n'attire plus, trop dur, trop prenant. Une réforme est annoncée en 2011 pour favoriser les regroupements et modifier le mode de rémunération. Notre enquête à suivre. Les révélations en cascade du site Wikileaks, les notes de la diplomatie américaine sur Nicolas Sarkozy sont publiées. Il est décrit comme un homme brillant, impatient, mais aussi imprévisible et qui envisageait l'envoi de troupes françaises en Irak. Le dossier de cette édition sur la banalisation de la cocaïne, nous découvrirons l'histoire étonnante mais révélatrice de deux frères artisans bouchers devenus dealers pour payer leurs dettes. Enfin, des résidus chimiques dans l'assiette des enfants. Une étude montre que plus de 80 substances, pesticides, métaux lourds et autres, sont ingérés chaque jour. Faut-il s'en inquiéter? Élément de réponse tout à l'heure. Bienvenue dans ce journal. Le froid, la neige, le froid, le verglas, après l'est de la France, après le centre et Orléans. C'est donc l'agglomération lyonnaise qui a été partiellement paralysée par des chutes beaucoup plus importantes que prévues. Des transports au ralenti, des entreprises perturbées. On fait un premier point d'abord avec Denis Sébastien et Thierry Monnier. 24 heures après, on patine encore dans certains secteurs de l'agglomération lyonnaise. Dans cette descente, une trentaine de véhicules, certains enchevêtrés, sont toujours immobilisés. Depuis hier 15h30, leurs propriétaires attendent d'être dépannés. Le camion a glissé, et puis il s'est tourné en travers, et coincé entre les deux voitures, on ne peut plus rien faire. On n'a jamais pu descendre, et en fait, comme rien n'a été signalé, tout le monde s'est engouffré, et voilà la panique. Un chasse-neige tente de traiter la chaussée. Elle est recouverte d'une épaisse couche de gel qui empêche l'accès des véhicules de dépannage. Hier, ils n'ont pas écouté. On leur a dit de bien rester en haut le temps qu'on puisse dégager. Ils nous ont pas laissé le temps d'agir. Et il y avait deux, trois voitures déjà en travers. On ne pouvait plus rien faire, quoi. Au lever du jour, Lyon s'était réveillé sous 20 cm de neige. Aucun bus en circulation. Pour beaucoup d'habitants, le trajet domicile-travail s'est fait en métro, à pied ou parfois à vélo. C'est marrant. Faut le prendre avec la philosophie. De toute façon, on n'a pas le choix. Donc, faut bien le faire. C'est vrai qu'on voit que les voitures, voilà, elles ont du mal et puis il y a moins de monde qui se déplace. Je connais pas mal de monde qui vont pas aller au travail aujourd'hui. Il neige encore dans la matinée, mais la circulation est fluide. Devant les conditions exceptionnelles, beaucoup d'automobilistes ont renoncé à prendre le volant. Il y a bien quelques intrépides, mais ils en viennent parfois à regretter d'avoir tenté l'aventure. Un peu trop téméraire sur le coup. Bon, on est équipé, donc on va essayer d'arriver au bureau quand même. Petit à petit, malgré tout, une vie plus habituelle reprend son cours. La plupart des axes dans et autour de Lyon sont dégagés ce soir. Restent des images insolites comme la place Bellecour, où l'on a pratiqué aujourd'hui certains sports d'hiver. Et même si elles ont dépassé les prévisions, ces chutes de neige, on l'a dit, avaient été annoncées. Beaucoup sur place s'étonnent donc que le salage, par exemple, n'ait pas été plus important. Benoît Gadret, Olivier Jacquelin. Une pagaille monstre, jusqu'au cœur de la nuit. 150 km de bouchons et au milieu des véhicules bloqués, les chasse-neige. Certains automobilistes ont mis jusqu'à 8 heures pour rentrer chez eux. L'agglomération lyonnaise était totalement paralysée. La cata complète. Au lendemain de cette galère, certains automobilistes ne décollèrent toujours pas. On avait l'impression que, étant donné que c'était annoncé de plusieurs jours à l'avance, rien n'avait été fait pendant la journée. Quand on a besoin que ce soit déneigé, pourtant il n'y en a pas beaucoup deux fois par an, c'est jamais bien fait. Et les chasse-neige? Ah ben j'en ai pas vu, enfin moi j'étais dans Lyon donc j'en ai pas vu du tout. Et pourtant, les services de la voirie avaient anticipé l'épisode neigeux. Dès la mi-journée, près de 100 véhicules de déneigement étaient à l'œuvre, mais ils ont vite été dépassés par l'intensité des chutes de neige. L'épisode neigeux maximum est arrivé au moment où les gens débauchaient. Donc avec énormément de monde qui sont venus sur les routes pour rentrer chez eux et qui ont bloqué pour une bonne partie les engins de déneigement que nous avions. Hier, la priorité a été donnée à certains axes, en particulier aux rues qui permettent d'accéder aux hôpitaux.
Bonsoir Benoît Guédret, on vous retrouve en direct à Lyon. Alors qu'en disent les autorités? Ces perturbations finalement peuvent-elles être évitées dans ce genre de cas? Eh bien, c'est une question de coût et donc de choix. Sachez par exemple qu'un épisode neigeux comme celui que l'on vient de vivre cette nuit à Lyon coûte 400 000 euros à la collectivité. C'est le coût du déneigement. Chaque année, la ville de Lyon, regroupée avec les 55 villes qui l'entourent, dépense 10 millions d'euros pour dégager les routes l'hiver, pour acheter du matériel, pour payer le personnel. Alors la question, eh bien, elle est très simple. Faut-il dépenser plus, deux fois plus, trois fois plus, pour faire face à des événements isolés extrêmement rares, un de ce type tous les 20 ans, selon Météo France? Eh bien, la réponse des élus ce soir est très claire. Il n'en est pas question, disait cet après-midi le maire de Lyon, Gérard Collomb. Nous ne sommes pas à Montréal, disait-il, Montréal, où il neige intensément 5 mois par an. C'est donc un choix clairement assumé, au risque de déplaire. Benoît Guédret à Lyon. Merci Benoît pour ces explications. Autre conséquence de ces chutes de neige, pour éviter les encombrements supplémentaires, des milliers et des milliers de camions ont été immobilisés le long des routes et sur les aires de repos. Les chauffeurs y ont passé la nuit. Nicolas Bertrand, Alexis Jacquet. Ils sont plusieurs centaines, peut-être jusqu'à 1500. Des camions et quelques voitures pêle-mêle sur cette nationale d'ordinaire à quatre voies, prise au piège. C'est une dépanneuse là-bas encore? Oui. Parce que je suis embourbé. Quand les secours arrivent au petit matin, la situation semble déjà inextricable. Je suis embourbé, je ne peux plus sortir. Tout ça, on nous a fait garer là, et puis voilà, c'était de la terre là. Et moi j'ai 25 tonnes et je peux plus sortir. D'autres ont glissé dans les fossés. Hier, en début de soirée, la préfecture interdit la circulation des poids lourds. La police les oblige alors à se ranger sur le bas-côté. Mais il y en a trop. Rapidement, la circulation se retrouve complètement bloquée. S'ils veulent arrêter les camions, qu'ils nous le disent assez tôt, qu'ils nous laissent pas rouler et nous entasser comme des cons. Et alors, on est bloqués sur trois voies, quatre voies. Comme tous les ans, quoi, on découvre que l'hiver il neige et que, voilà, et que la France est embourbée, alors que la Scandinavie roule parfaitement bien, les pays de l'Est aussi. Plusieurs centaines de chauffeurs routiers ont donc dormi dans leurs camions avec le sentiment d'avoir été abandonnés. Rien, prends un chat, même pas les gendarmes, on n'a vu personne. Même pas la DDE, rien. C'est honteux. Personne n'a dégagé la route, la DDE n'a pas fait son travail, hein. Moi je pense qu'il y a là, hein. Parce qu'on l'a annoncé depuis 24 heures la neige, donc... En milieu d'après-midi, les pompiers sont venus apporter de l'eau et quelques collations, alors que les premiers camions commençaient enfin à voir le bout du tunnel. Bonsoir Nicolas Bertrand, on vous retrouve en direct donc près de Moulins. Où en est-on ce soir? Est-ce que tout le monde a pu repartir? Eh bien David, la circulation a repris, mais difficilement, un mètre par mètre. Il faut dire que le trafic était saturé par ces 1500 poids lourds qui ont donc passé plus de 24 heures bloqués ici sur la Nationale, en dessous du pont où je me trouve. Il y a encore quelques bouchons par endroit. Il faut dire que certains camions ont connu des problèmes mécaniques au moment de repartir. Et puis le verglas s'en mêle puisqu'il fait actuellement ici moins 5 degrés. J'ai pu m'entretenir avec des pompiers il y a quelques instants qui m'ont dit qu'ils espéraient que plus personne ne passerait une deuxième nuit bloqué dans son camion, mais pour l'heure ils ne peuvent encore pas en être sûrs et certains. Nicolas Bertrand, près de Moulins, merci Nicolas pour ces dernières indications. Et les chauffeurs de poids lourds ne sont pas les seuls à avoir connu une nuit blanche ou quasiment blanche. Plusieurs dizaines d'automobilistes, eux aussi, sont restés coincés. Arnaud Comte. Elle a beau être annoncée depuis deux jours, lorsque la neige tombe drue sur les routes de France, au mieux ça dérape. Au pire, ça s'enlise et voilà les premiers naufragés de l'hiver. Je suis enlisé où? Donc j'attends. D'autres ont été contraints d'abandonner leur véhicule en pleine nuit. Surpris par ces abandons de chute de neige, ils ont trouvé refuge dans ce gymnase. Nous avons été bloqués. Et bloqués, quelques âmes charitables nous ont aidés. Très rares. Seul problème, c'est qu'on n'a pas d'informations. C'est le gros souci. Au petit matin, dans ces régions drapées de blanc, les saleuses ouvrent la voie. Ouais, je vais arriver vers moi. Hein, là. Ici, près de Grenoble, il est tombé plus de 20 cm de poudreuse. Si sur les grands axes, ça circule plutôt bien, dans le centre-ville, entre les deux roues et les après-ski, il n'y a pas photo. Enfin, presque. C'est vraiment pas évident. Et les trottoirs sont pas déneigés? Si, un petit peu, mais pas partout. Ça glisse énormément, ouais. Ouais, parce qu'il y a une belle couche tassée. En dessous de 5 cm à peu près, ouais.
Dans les départements de la vallée du Rhône, la vigilance orange est levée ce soir, mais avec ce froid mordant, le bonheur des enfants n'est pas près de fondre. Des difficultés sur les routes, mais de gros problèmes aussi pour les trains. La SNCF a préféré en annuler 20%, 1 sur 5, et ce sera aussi le cas demain. Pourquoi ? Eh bien parce que la neige oblige les TGV à circuler au ralenti. Reportage Valérie Lerouge, Arnaud Wust. Un TGV sur 5 supprimé, des retards qui se multiplient à l'arrivée. La neige n'a pas tardé à perturber le Paris-Lyon aujourd'hui. En raison des conditions climatiques, la vitesse du TGV est réduite. En conséquence, nous prévoyons un retard d'environ 30 à 35 minutes. Et pour cause, les conducteurs ont pour ordre de lever le pied, ou plutôt la main, 160 km/h au lieu de 300 dans certains secteurs, notamment avant chaque croisement, pour éviter la casse. Voilà, on limite la vitesse parce qu'on a des projections de neige et de glace qui s'accumulent sur les trains. Et lorsqu'on croise un autre train, cette glace est projetée et ça casse les vitres. Et malgré les restrictions de vitesse au croisement, voilà dans quel état arrivent certaines rames au dépôt avec des baies vitrées entièrement fissurées. Depuis dimanche soir, c'est pas moins de 90 vitrages qui sont endommagés. Parmi ces 90 vitrages, 15 pare-brise. C'est une course contre la montre qui s'engage alors pour les agents de maintenance. 4 heures pour changer les vitres et contrôler le dessous de la machine. Tout cela se traduit en gare sur les panneaux d'affichage, mais les voyageurs se montrent assez compréhensifs. Je comprends, mais je trouve qu'on n'est pas très très équipé en France peut-être. Hein. On pourrait faire mieux. Si tous les ans on a des problèmes comme ça, c'est un peu embêtant. Quoi. En attendant de faire mieux, la SNCF prévoit les mêmes difficultés demain entre Paris, Lyon et Marseille, avec d'importants retards et 20% de trains en moins. Une image maintenant du Loiret, la région d'Orléans, dont on a beaucoup parlé ces derniers jours. Et là, les nouvelles sont plutôt bonnes, puisque la situation se normalise. La quasi-totalité des 30 000 foyers d'électricité ont retrouvé le courant. Image signée Nicolas Auer. Mais c'est maintenant en Bretagne que l'on craint les coupures d'alimentation. La région est en alerte rouge et chacun est invité directement à limiter sa consommation pour éviter le blackout. Fanny Stellner avec notre bureau à Rennes. La côte de Granit Rose n'avait pas connu une telle vague de blanc depuis 25 ans. Les températures sont descendues jusqu'à moins 6 degrés dans les terres et la neige est tombée en couche de 10 cm. J'ai failli rentrer dans le pylône et là j'arrive plus à la faire démarrer. Un froid inédit qui risque d'entraîner une surconsommation électrique et donc des coupures de courant. La région a été placée en alerte rouge. Les autorités ont demandé aux habitants de limiter leur consommation d'électricité. Moi je me chauffe au bois, cuisine au gaz, je consomme pas d'électricité de la journée, ni demain non plus. La Bretagne consomme beaucoup plus d'électricité qu'elle n'en produit. Le risque de coupure générale est donc réel, du coup certains anticipent. Pour ça il suffit de baisser un peu le thermostat, d'un ou deux degrés suffit à éviter une consommation électrique trop importante. Et puis le foie d'avoine, lui, reprend le relais du chauffage. Restrictions pour les particuliers, mais aussi pour certaines villes. Ce soir, Lannion, Rennes et Vannes ont décidé de ne pas faire fonctionner leurs illuminations de Noël. Oui, et puis regardez ce chiffre, la consommation de gaz a fait un bond de 35% ces derniers jours par rapport à la même période de l'an dernier, chiffre communiqué cet après-midi avec une partie de la Bretagne. La région parisienne, elle aussi, est placée en vigilance orange pour ces prochaines heures. La neige tombe depuis le début de l'après-midi. Bonsoir Loïc Delamornay, vous êtes sur place, près de la Tour Eiffel. Comment se présentent les choses ? Eh bien David, il tombe quelques flocons et vous voyez, il y a cette pellicule de neige sur les allées du Champ de Mars. Cela dit, il tombe un peu plus de neige sur les hauteurs de l'Île-de-France. Vous le voyez peut-être sur ces images que nous avons tournées à Clamart ou à Meudon. Mais vous savez, ce qui inquiète surtout les autorités, ce n'est pas cette neige qui tombe du ciel, mais ce qui va rester au sol. Car demain matin, il fera très froid, il y a des gros risques de verglas. Donc consigne de prudence de la part des autorités, privilégier les transports en commun, éviter notamment de prendre motos et scooters, éviter les secteurs forestiers, il peut y avoir des chutes de branches d'arbres. Pas de difficultés de circulation sont à prévoir, mais encore une fois, de gros risques d'accident, donc soyez prudents. Loïc Delamornay à Paris, merci Loïc. Depuis plusieurs jours, les rondes ont repris en région parisienne, les abris et les centres d'hébergement ont rouvert leurs portes, mais tous ne souhaitent pas s'y rendre. Comment vit-on dehors par ce froid glacial depuis plusieurs jours? Reportage Marie-Pierre Cassignard, Antoine Husser. Sortie de parking en plein centre de Paris. Sous cette rampe d'accès, derrière de vieux morceaux de moquette grise, un abri de fortune fondu dans le décor. Raphaël Marcel, 73 ans,
vit ici depuis 3 ans. J'ai ramené un duvet ce soir, en cas où. Depuis le début de la vague de froid, les associations lui rendent visite chaque soir. Vous avez froid? Il fait moins 5 degrés à l'extérieur. L'homme me tend sa main. Elle est glacée. Vous avez froid donc? On a froid, on a froid. Et comme vous, regardez, vous aimez la cacher. Et puis, tout le monde a froid dans la vie. Hein. Avant, il dormait sur le trottoir. Alors ici, c'est comme sa maison. On mange? Là, je me l'ai mangé. Il y a des spaghettis avec du bœuf caché. Pour dormir, une tente posée sur des palettes pour l'isoler du froid. Un matelas, quelques duvets. Pas question pour le vieil homme de quitter ce refuge qu'il s'est construit peu à peu. Moi, je suis bien, et puis je suis libre, et puis je ne dépend de personne. Ce soir encore, ce bénévole n'aura pas réussi à le convaincre de partir. Je suis très très inquiet pour lui parce que parce qu'il est très âgé, parce qu'il fait froid, parce que la température va descendre encore cette nuit. Comme Raphaël, Marcel, ils sont encore des centaines à refuser, malgré le froid, les hébergements en foyer. Voilà, on fait maintenant, comme tous les soirs, notre point quotidien avec Laurent Romeschko. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Première question, est-ce qu'il faut s'attendre autour de Paris à ce qu'on a connu à Lyon hier soir? Alors il va neiger demain sur Paris, cela dit les quantités de neige seront beaucoup moins importantes que celles qui sont tombées sur la région lyonnaise. Rappelez-vous, le 7 janvier dernier, il était tombé à Paris 4 cm de neige. C'est un épisode similaire qu'on attend demain avec 2 à 5 cm sur Paris, l'Île-de-France. Une neige qui devrait tenir au sol puisque les températures sont bien négatives. Vigilance orange dès demain matin, 6h sur Paris, l'Île-de-France. Laurent, c'est la question de l'espoir. À quand le retour à la normale en France? Alors regardez, jusqu'à vendredi, l'air froid polaire va stationner sur la France avec encore des conditions hivernales. On surveille de près cet air beaucoup plus doux en rose, rouge, hein, au sud du Groenland qui devrait approcher du pays à compter de samedi avec déjà un petit frémissement des températures, remontée beaucoup plus franche des températures à compter de dimanche avec des valeurs qui auront augmenté de 6 à 8 degrés. Soyez patients. Merci Laurent. On attend dimanche donc une dernière image, celle de la situation chez nos voisins du Portugal à l'Allemagne. La neige et le froid sont installés là aussi depuis longtemps. On compte 8 morts en Pologne, 2 en Lituanie et ici à Gatwick, en Grande-Bretagne, comme à Genève en Suisse, l'aéroport est complètement fermé depuis plusieurs heures et jusqu'à demain matin, Genève où 300 personnes ont même passé la nuit dans l'aérogare. Un dernier mot, montrez-nous comment vous vivez ces intempéries. Notre site France2.fr vous est ouvert, vous pouvez y poster vos photos ou vos films vidéo. Et puis personne ne sera surpris, la grippe est en train de s'installer en France, c'est ce qu'indiquent les groupes d'observation, même si on est encore loin d'une épidémie. Et c'est dans ce contexte que Nicolas Sarkozy s'est rendu ici, dans le Calvados, pour une table ronde sur la raréfaction des médecins de famille, les médecins de proximité. Une réforme doit être annoncée l'an prochain. Alors pourquoi cette disparition progressive? Pourquoi ces déserts médicaux toujours plus nombreux? Enquête Julien Pelletier, Jean-François Monnier. Je suis un petit peu fatigué, donc j'envisage d'arrêter l'activité du cabinet. Je voudrais gérer un peu plus mon emploi du temps et me consacrer un peu plus à ma famille, quoi. 33 ans que le docteur Jauneau parcourt les routes d'Eure-et-Loir, un des départements où la densité de médecins est la plus faible de France. Dans 6 mois, il prendra sa retraite à 60 ans. Son départ est surtout redouté par ses patients les plus âgés, ceux qui ne se déplacent plus au cabinet. L'hiver qui arrive très tôt. Oui, bien avant, oui. Vous êtes fait vacciner contre la grippe? Non, non. Vous voulez pas, hein? Non. Ça m'inquiète. Quel docteur s'en aille, c'est tout. Parce que s'il n'y a pas de remplaçant, ben, comment on va faire? Si personne ne peut venir là, moi j'en ai besoin. Après son départ, les patients iront sans doute consulter chez les autres médecins du village. Mais d'ici une dizaine d'années, eux aussi prendront leur retraite. Ma tranche d'âge, c'est la tranche dominante chez les... La plus importante chez les généralistes actuels, quoi. Ça vous fait moins mal? Les médecins de famille s'en vont et les jeunes ne se bousculent pas pour prendre la suite. Les installations de nouveaux médecins ont toujours été plus importantes que les départs à la retraite. Mais la tendance pourrait bientôt s'inverser. Le nombre de départs en retraite ne cesse d'augmenter alors que l'arrivée de nouveaux médecins diminue. Autour de Courville, il reste 6 médecins pour 14 000 habitants, bien moins que la moyenne nationale. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus recevoir de nouveaux patients.
Asseyez-vous, s'il vous plaît. Si on est obligé de se rabattre après aux urgences à l'hôpital, c'est pas évident quand même. Il faut mieux avoir un médecin traitant sur place. Tousser un coup. Dans ce département rural, difficile de trouver un successeur. Le docteur a pourtant proposé son cabinet à plusieurs stagiaires. Alexandre Marie-Angélique est l'un d'entre eux. Actuellement, il travaille à l'hôpital, un emploi salarié avec des horaires fixes. Une jeune génération considère la médecine comme un travail à part entière, mais non plus faire 7 heures, 22 heures au détriment de notre vie de famille. On sait très bien que c'est du travail, c'est intensif, mais on a une vie de famille à côté, des loisirs à consacrer à côté. C'est pas du tout, je pense, la même vision des choses qu'il y a quelques temps. Alors, pour motiver ces jeunes médecins, les petites communes multiplient les initiatives. Ce soir, on travaille sur la création d'une maison médicale. Et si ça ne suffit pas, il faudra faire plus qu'encourager. Il y a des mesures d'encouragement fortes qui doivent être prises, sinon... Et d'obligation aussi ? Peut-être d'obligation. Obliger les médecins à s'installer à la campagne, pas question pour les principaux intéressés qui veulent continuer à choisir leur mode d'exercice. Avoir sa plaque intéresse de moins en moins les jeunes médecins. Seuls 9% s'installent en libéral, 67% sont salariés à l'hôpital et 24% sont remplaçants. Des remplaçants 5 fois plus nombreux qu'il y a 10 ans. Et s'ils sont si nombreux, c'est parce qu'un cabinet est source de tracas et coûte cher. Autrefois réservé aux débutants, les remplacements sont de plus en plus souvent assurés par des médecins expérimentés. Alexandre Djavadian remplace depuis 6 ans. Quand on voit la charge de travail, la frustration face aux tâches administratives qui sont parfois vexatoires, le manque de reconnaissance de la profession par les autorités compétentes, on se dit, je ne vais pas faire de la médecine libérale, j'aime mon métier, je vais faire de la médecine, mais je vais faire de la médecine sous une autre forme. Je vais faire de la médecine en tant que remplaçant, comme ça je peux lever le pied quand je veux. Aujourd'hui, le médecin a complètement abandonné l'idée d'ouvrir son cabinet. Il ne manque pas de travail et gagne autant que ses confrères installés, avec beaucoup plus de liberté. Et la réforme annoncée porte effectivement sur le regroupement de professionnels et sur la rémunération des médecins. Il est 20h20, restez avec nous à suivre. Nicolas Sarkozy vu par les Américains. Le site Wikileaks publie de nouvelles notes, brillant et innovant, mais impulsif et brimant son entourage. Enquête sur la banalisation de la cocaïne. La drogue s'infiltre dans tous les milieux. Nous découvrirons l'histoire étonnante de deux artisans bouchers devenus dealers. Et puis cette étude qui interpelle sur notre alimentation. Plus de 80 substances, pesticides, métaux lourds et autres sont ingérés chaque jour. D'abord donc la suite du feuilleton Wikileaks. Le site publie ses notes et commentaires censés rester le secret du monde très feutré de la diplomatie, en l'occurrence de la diplomatie américaine. Eh bien, de nouveaux documents concernant Nicolas Sarkozy ont été diffusés. En voici l'essentiel. Jeff Wittenberg, Philippe Maire. Quand elles évoquent la France, les notes secrètes du département d'État sont claires. Nicolas Sarkozy est un ami de longue date des États-Unis. Selon l'ambassadeur alors en poste à Paris, le futur président en 2005 lui a révélé sa candidature plus d'un an avant de la rendre officielle. Sarkozy s'est lamenté de l'état troublé des relations entre les États-Unis et la France. En voyage à New York en 2006, il confirme. J'aime les Américains, j'aime leur énergie, j'aime le fait que tout soit possible, j'aime la fluidité de la société américaine. Son affinité avec l'Amérique est authentique et vient du fond du cœur. Une alliance, pas un alignement. Nicolas Sarkozy a exprimé son admiration pour George Bush, écrit encore l'ambassadeur. Il a sous-entendu, dit-il, que la France aurait pu envoyer des troupes en Irak. Les diplomates notent en tout cas... l'engagement militaire croissant en Afghanistan. Ils apprécient beaucoup Bernard Kouchner et sont au courant, avant l'heure, que la France va réintégrer le commandement de l'OTAN. La France sera plus influente. Pourquoi ? Parce que les absents ont toujours tort. Même le caractère du président est passé au crible par les observateurs de l'ambassade, sur fond de vie privée. Washington est prévenu des difficultés du couple qu'il forme avec Cécilia. Monsieur Sarkozy est très irritable, mais a une capacité à rebondir. Enfin, l'administration américaine, relève Wikileaks, est allée jusqu'à s'intéresser au fonctionnement du pouvoir à Paris. Un diplomate écrit que les conseillers du président ont plus d'influence que le ministre des Affaires étrangères. Nicolas Sarkozy a concentré à un degré sans précédent tous les pouvoirs à l'Élysée. Au final, beaucoup de jugements officieux, mais pas la position officielle des États-Unis, ce qui choque les partisans du président.
et une position du département d'État qui est construite, alimentée par différentes sources. Mais là, donc, de prendre telle ou telle source et de les mettre ainsi en pâture, moi, ça me choque. Le chef de l'État estime, lui, que la publication de notes diplomatiques est du dernier degré d'irresponsabilité. Et depuis trois jours, Hillary Clinton, embarrassée, relativise ses notes et tente de rassurer les chefs d'État du monde. C'est Silvio Berlusconi qui en sort le plus atteint et il est décrit comme inefficace, imbu de lui-même et irresponsable. Nicolas Sarkozy qui par ailleurs a fait un pas vers une candidature en 2012. C'est en tout cas ce qu'ont cru comprendre des élus centristes reçus hier à l'Élysée. Voici la phrase qu'a prononcée devant eux le président de la République. « Je suis là pour deux mandats, pas plus. Après, ce sera la Dolce Vita. » Bonsoir Michael Darmon, vous êtes en direct à l'Élysée. Quelle portée faut-il accorder à ces propos ? Écoutez, il ne fait aucun doute hein, pour les équipes de l'Elysée qu'une campagne se prépare pour 2012. Il y a déjà des conseillers, des communicants qui tous les jours travaillent à des argumentaires, testent des idées. Et on voit d'ailleurs ces derniers temps Nicolas Sarkozy transformer les fins des tables rondes thématiques dans les régions en quasiment mini-meetings dans lesquels il teste toujours la même idée, comme ce matin encore dans le Calvados. Les Français doivent changer pour rester eux-mêmes, ce qui au fond ressemble à des pistes de slogans. Quant à ses intentions pour 2012, eh bien... Il faut savoir qu'il a déjà déclaré sa candidature. Il l'a fait en mai dernier devant le cercle très discret et très restreint de ses premiers donateurs. Il leur a dit « J'aurai encore besoin de vous, vivement qu'on soit en campagne pour que je me lâche ». Là au moins les propos sont clairs. Michael Darmon à l'Elysée, merci Michael. En bref, on l'a appris en fin de journée, l'appartement de Ségolène Royal à Boulogne-Billancourt a été visité entre guillemets par effraction aujourd'hui. Et ce pour la troisième fois en quatre ans, rien n'a été volé, indique l'entourage de Madame Royal. Le dossier de cette édition maintenant sur la banalisation de la cocaïne. Les saisies se multiplient, on en a parlé récemment et on est loin depuis quelques années du seul show business ou du grand banditisme. En voici l'illustration, l'histoire de deux frères, artisans bouchers, dans un coin paisible de Bretagne, tombés dans la spirale de la drogue pour payer leurs dettes. Dossier signé Lionel Feuerstein, Christophe Kenck. Il a toujours voulu être boucher. Pendant 15 ans, Jean-Marc a même tenu avec son frère l'une des meilleures boucheries des Côtes d'Armor. Jusqu'au jour où les dettes se sont accumulées. Pour nous, c'était inconcevable de vendre la boucherie à ce moment-là, alors qu'on avait fait 15 ans d'efforts pour l'avoir et qu'on réalisait notre rêve. Quoi. Un ami leur suggère alors une solution extrême, devenir trafiquant de drogue. Acheter de la cocaïne aux Pays-Bas et la revendre en Bretagne. Les deux frères ne vont pas hésiter longtemps. Le premier voyage nous a rapporté 11 000 euros pour un investissement de 5 000. Et ça ne vous a pas posé de problème moral ? Ah si, ouais, si. J'étais comme en... au début, ça m'a mis des problèmes avec ma conscience. La drogue va s'écouler en deux jours. La demande locale est forte. Les acheteurs viennent de toute la région. Principalement, c'est des marins pêcheurs. Des gars du bâtiment, quelques vœux RP, quoi. Ben, les gens qui font de la route, qui ont besoin de prendre un petit rail de coke pour se motiver. Quoi. C'est monsieur tout le monde. Ah oui, bien sûr, ouais, c'est monsieur tout le monde. Il ouais, n'y a pas de classe sociale particulière, c'est monsieur tout le monde. Les bouchers repartent aux Pays-Bas se fournir en drogue. En deux ans, ils vont acheter près d'un kilo de cocaïne et quatre d'héroïne. Leur planque, le grenier et le garage des parents. Dans leur village, les deux frères sont insoupçonnables. On était des commerçants honnêtes, on faisait bien notre métier, la clientèle était contente. Quoi. Donc il n'y avait pas de soucis de ce côté-là. Et puis bon, c'est vrai que les personnes n'auraient jamais pensé que le boucher du coin fasse un commerce de stupéfiants. Quoi. Le trafic rapporte 160 000 euros aux deux frères. Leur but a toujours été, disent-ils, de sauver leur boucherie, même si l'un d'eux s'est offert une Ferrari d'occasion. Pour nous, c'était clair et net qu'on allait arrêter dès que nos dettes étaient finies d'être remboursées. Quoi. Depuis le début, c'était comme ça dans notre tête. Donc voilà, on s'est fait arrêter un an avant la fin du trafic pour nous. Quoi. Une de leurs clientes a été repérée par des policiers. Les deux bouchers sont arrêtés et condamnés à 3 et 4 ans de prison. Aujourd'hui, les deux frères sont libres. Ils espèrent pouvoir un jour se remettre à leur compte dans la boucherie.
En bref, un mot des premiers résultats de l'autopsie après la mort d'un homme à Colombières. Rien ne permet à ce stade d'incriminer le taser. Il a succombé à une asphyxie aiguë et massive par inhalation de gaz. Une expertise toxicologique complémentaire doit être pratiquée car les médecins évoquent également un cœur dur et contracté. La santé avec cette étude qui, je vous le disais, montre la présence en grand nombre de résidus chimiques dans nos assiettes. En l'occurrence, c'est le menu moyen d'un enfant de 10 ans qui a été analysé. Rien d'illégal puisque les seuils sont respectés, mais ce constat, bien sûr, retient l'attention. Alors faut-il s'inquiéter? Élément de réponse, Sophie Mézel, Héloïse Mallet. Le but, passer au crible ce que mange un enfant de 10 ans durant une journée type, du petit déjeuner au dîner. Steak, haricots verts et petite salade à midi, jus de fruits au goûter, saumon et riz accompagné d'un fruit à l'heure du dîner. Pourtant, une analyse en laboratoire montre que ces repas apparemment équilibrés sont pollués. 128 résidus chimiques issus de 81 substances différentes. Des produits cancérigènes, des perturbateurs hormonaux, même à très faible dose. On est très préoccupé par l'effet cocktail. C'est-à-dire que cette accumulation de produits pose des problèmes. Dans le beurre doux, 15 résidus chimiques, comme les PCB, des isolants industriels. Dans les haricots verts du Kenya, des traces de polluants supérieures aux doses autorisées. Le saumon, quant à lui, concentre 34 produits chimiques, comme le DDT, un pesticide, ou de l'arsenic, un poison. Faut-il éliminer de l'assiette de nos enfants ? Non, mais en consommer avec modération, car ses bénéfices pour la santé sont aussi très importants. D'ailleurs, pour cette chercheuse, il faut relativiser les résultats de cette étude. C'est une information à la fois trop importante et trop imprécise. Une trace, finalement, de quelque chose, vous en avez dans tout. Vous voyez, ça ne veut pas dire que ce soit dangereux pour la santé de l'enfant. Pour en savoir plus, l'Agence de sécurité alimentaire vient de lancer une vaste étude sur 20 000 produits. Elle va traquer 300 contaminants présents dans nos assiettes. En bref, encore à propos de santé, sachez que l'amendement visant à généraliser le dépistage précoce des troubles de l'audition chez les nouveau-nés a été adopté. On en parlait hier. Et puis une image de la journée mondiale de lutte contre le sida. Carla Bruni-Sarkozy organisait aujourd'hui à Paris une réunion avec d'autres grandes organisations engagées dans ce combat. Elle est ambassadrice, vous le savez, du Fonds mondial de lutte contre le sida. Elle a présenté un pack thérapeutique destiné aux femmes enceintes pour lutter contre la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres, cette vague de froid et de neige qui n'en finit pas. Des milliers d'automobilistes et de chauffeurs routiers sont restés bloqués des heures et parfois la nuit entière en Auvergne et autour de Lyon dans 40 cm de neige. Ce soir, c'est Paris qui est en vigilance orange. Les TGV par ailleurs sont au ralenti. Un vol sur quatre est annulé à Roissy. La Bretagne est en alerte rouge car le réseau électrique est saturé. Et puis, cela fait 337 jours maintenant qu'Hervé Guéquière, Stéphane Taponnier et leurs trois accompagnateurs sont retenus en otage en Afghanistan. Nous pensons à eux, à leur famille, ainsi qu'aux 6 autres otages français retenus dans le monde. Merci à vous tous. Tout de suite, Laurent Romeschko qui revient sur les conditions très dures encore prévues demain. 20h35, votre série. Fais pas ci, fais pas ça. Minuit 25, des mots de minuit. Philippe Lefay, je vous souhaite une très bonne soirée. À demain. L'info en continu, c'est aussi sur France 2.fr.